ça a été repris par le chef du PQ ce matin. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'entente avec Biden, qu'il y a un ultimatum, ça pourrait être quoi, cet ultimatum? Alors moi, j'ai déjà écrit dans Le Devoir que ben, ça devrait être de dire, écoutez, si vous ne prenez pas 80 % des demandeurs pour les amener ailleurs au Canada, pour qu'on les distribue équitablement à l'intérieur de cette magnifique fédération, nous, on va le faire. C'est-à-dire que le Québec a tout à fait la capacité, puisqu'il accueille ces gens-là, de dire, OK, dans les 24 heures, on fait un tri, on garde tous les francophones, on garde ceux qui ont de la famille immédiate au Québec, et les autres, on les met dans un bel autobus climatisé, puis on les amène à Immigration Canada, à Ottawa, ou à l'endroit que vous nous suggérez. C'est ce que des gouverneurs aux États-Unis font avec les migrants, Jean-François. Ron DeSantis, là, il loue des avions ou des bus, puis il les envoie en Floride, là, puis il les envoie ailleurs. Mais c'est... À New York, oui.